La producción lechera es sin duda una de las actividades agropecuarias más dinámicas y con mayor crecimiento a nivel mundial. Desde mediados del siglo pasado, hemos sido testigos de importantes cambios para la modernización de este sector. Las decisiones tomadas en las granjas lecheras está basada en la gran cantidad de datos que se generan a diario en ella, permitiendo un rápido avance en la productividad y rentabilidad de las mismas. En el programa de hoy visitaremos al señor Etienne y su familia. Su granja está ubicada en el sur de Francia. Ellos se dedican a la producción de leche orgánica con la raza bovina Holstein. El estudio genético de sus animales a partir de la obtención de muestras de sus tejidos y su genotipado le han permitido identificar datos muy valiosos acerca de la conformación corporal de sus animales, la productividad de su hato y sus repercusiones en el campo sanitario y ambiental. El genotipado y la producción de leche orgánica con la raza Holstein en Francia. Alors, je m'appelle Étienne Boudevin, nous sommes à la caillitière à Luché-Pringer dans le sud de la Sarthe, donc en France. Et donc, on est sur notre exploitation familiale qui est composée de quatre associés, moi, mon frère et mes parents. Alors, c'est une exploitation familiale qui a été créée par mon grand-père dans les années 70 et il a beaucoup développé l'élevage. Ensuite, mes parents se sont installés avec mon oncle et ma tante. Mon grand-père est parti en retraite et ma grand-mère aussi. Et nous, on s'est installés avec nos parents à la suite de notre oncle et de notre tante en 2013. Et depuis 2013, on continue à développer l'élevage. Et depuis 2 ans, on a commencé la conversion bio après une remise en question totale de l'élevage. Il y a 140 vaches présentes. On traite environ 110 vaches tous les jours. Et on élève aussi toutes les génisses chez nous. Donc il y a environ 150 génisses en plus des vaches laitières. Donc ce qui fait un total de 290 bovins au total. Donc la production en moyenne est de 7500 à 8000 litres en conversion bio. Et on fait des taux environ de 42 et 36 en TP et en TB. Alors sur l'année, on produit environ 1 million de litres de lait. Et quand on sera définitivement en bio, on produira environ 8 à 900 000 litres de lait. Donc un petit peu moins, mais il sera un petit peu plus cher du coup. Ok, je m'appelle Nicolas Jardin. Je suis technicien génétique spécialisé en races Primochten et Épis Rouge. Je travaille pour Evolution depuis 2000. Je suis rentré en 2000 en tant qu'inséminateur. Et puis depuis une dizaine d'années en tant que technicien création génétique Holstein et Pied Rouge. Je travaille sur la région Pays de Loire, centre de la France, et puis un petit peu d'Auvergne. Mon rôle, c'est de faire naître les futurs reproducteurs qui serviront dans un catalogue d'insémination. Alors aujourd'hui, notre organisation marche avec des éleveurs partenaires du schéma, uniquement sur la zone France. Evolution travaille pour la race Holstein avec 1000 éleveurs partenaires. C'est dans ces élevages-là que nous allons recruter les futurs petits mâles. Nos ressources femelles pour les mères à taureaux sont faites dans ces élevages-là, donc à peu près 3000 femelles génotypées par an, plus 60 000 femelles génotypées par des élevages qui sont hors partenaires. Alors, le premier objectif de sélection pour moi, c'est la santé des vaches et surtout la santé de mamelles, en fait, pour essayer de ne pas avoir de traitement antibiotique à utiliser et de ne pas avoir de problème, tout simplement.
Deuxième critère de sélection, c'est la morphologie. L'objectif est d'avoir des jolies vaches tous les jours à traire. On fait très attention aux membres, à la qualité de la mamelle, et à la tache arrière, beaucoup à la tache avant. L'implantation des treillons pour avoir une traite la plus facile possible. Et puis ensuite, c'est les taux, beaucoup les taux. On fait très attention aux taux parce que, étant donné qu'on est dans un système bio, on exprime des pics de lactation moins élevés. Donc on se focalise plus sur les taux, du coup, pour avoir un prix du lait le plus élevé possible. Et en ce moment, on voit que ça marche parce que on est à 43 et presque 37 en TPE. Bonjour, je m'appelle Léa Poncet, donc je suis responsable du déploiement de l'offre en race Holstein et Pie-Rouge sur le marché international depuis un an, donc auprès de Evolution et en accompagnement d'Evolution internationale. Donc, mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner techniquement les équipes commerciales d'Evolution internationale en race Holstein et Pie-Rouge. Donc aujourd'hui, moi, la race Holstein et Pie-Rouge Evolution, elle a énormément de particularités. Donc la race Holstein, c'est une race que l'on veut en France assez robuste et fonctionnelle, avec une bonne fertilité. C'est une vache qui va remplir facilement, qui va avoir un intervalle vélage-vélage le plus court possible avec un pic de lactation au maximum, mais également avec donc de la production, mais des taux très élevés, puisqu'aujourd'hui la race française Holstein, et notamment chez Evolution, la vache Holstein adulte va produire une production de 9200 kg de lait en 305 jours, avec un taux de matière grasse de 3,95% et un taux de protéines de 3,35%. Donc aujourd'hui, on recherche une vache qui produit beaucoup de taux, mais qui soit fonctionnelle également, qui soit résistante aux maladies, qui ait une très bonne santé de la mamelle, avec une très bonne résistance aux mammites. On veut une vache qui ait également un pied qui soit résistant et robuste aux agressions environnementales et également aux lésions infectieuses. On a d'ailleurs travaillé énormément sur cet aspect-là, sur la santé, puisque en 2016 on a créé un nouvel index de résistance à l'acétonémie, et en 2017 on a créé un index de résistance aux lésions infectieuses et non infectieuses des pieds, des sabots. Evolution accorde une attention vraiment particulière à la santé des animaux, et donc c'est pour ça qu'elle a renforcé ses index sur la santé. De nouveaux index sont constamment en cours d'étude pour être intégrés aux index globaux des animaux. On a un service innovation qui travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. Voilà, donc ici on va décrire une vache qui correspond tout à fait au système du Gaec des Lilas, un système plutôt pâturant. Donc on a une vache ici qui une vache avec un format plutôt maîtrisé dans la taille, une vache avec beaucoup de profondeur et de largeur, hein, mais principalement des qualités de membres, hein, parce que on va demander aux vaches de beaucoup se déplacer dans des systèmes pâturants. Donc les membres sont primordiales dans la sélection de cet élevage. Hein, donc, et puis également, on va rechercher donc, des membres plutôt droits, fins. Une vache avec une très bonne locomotion. L'éleveur va être aussi exigeant sur l'index dermatite, hein, ce qu'on appelle à Evolution le RLI. Au niveau du format de la vache, on va avoir aussi une exigence sur la solidité. Des bassins solides, bien droits, avec une bonne largeur d'ischion. On va demander aussi, dans le système mammaire, à avoir une vache avec des mamelles bien hautes. Également une exigence sur les placements de treillons, hein, des treillons qui sont bien placés. Une exigence également sur la longueur des treillons.
Et puis également pour le vieillissement de notre vache, on va demander à ce que le pis soit très solide au niveau de son ligament. Voilà donc la volonté du schéma de sélection d'évolution, c'est de toute façon ce qui est primordial, c'est d'avoir des vaches fonctionnelles qui soient rentables pour l'éleveur, mais également des vaches qui vieillissent. Donc tout ça, c'est finalement la volonté du schéma et finalement ce que recherche principalement l'ensemble de nos éleveurs adhérents. On aime la race Holstein parce qu'elle est capable de produire quand même beaucoup de lait avec son alimentation. Et aussi, on aime beaucoup la qualité de leurs mamelles, qui sont des mamelles très bien attachées à la vache, quoi. Donc globalement, on élève plus de génisses que ce qu'il nous faut sur la ferme, parce que ça c'est dû à la semence sexée. Donc ensuite, on vend quelques génisses à cet âge-là, par exemple à 6 mois ou 1 an. Ensuite, on en fait quand même veler beaucoup, donc on en vend aussi en production. Et ensuite, les autres sont réformés pour le renouvellement, quoi. Donc ça nous permet de choisir, de garder les meilleures génisses finalement, pour améliorer la génétique du troupeau. El genotipado de bovinos es el procedimiento mediante el cual se obtiene el perfil genético o huella de ADN del animal. Estas técnicas moleculares utilizan el material hereditario que se encuentra en todas las células nucleadas del cuerpo, como los glóbulos blancos, las células de las fibras musculares, los espermatozoides o los folículos pilosos, los cuales se conservan durante toda la vida del animal y su análisis permite conocer el material genético que cada individuo ha heredado de sus padres biológicos. Ok, donc nous allons pratiquer avec l'inséminatrice de l'élevage des Lilas, Charline, ici présente, un génotypage de 4 petites femelles et un petit mâle pour le schéma de sélection. Donc le génotypage femelle à évolution est un produit qui se développe de plus en plus tous les ans, à peu près 30% des éleveurs qui pratiquent le génotypage de leurs petites femelles afin d'avoir une estimation de leur valeur génétique dès la naissance pour pouvoir finalement gérer et faire et prédire leur renouvellement. Donc ici à l'élevage des Lilas, le génotypage est pratiqué sur ces femelles par l'éleveur donc à hauteur de 40%, car les 40 autres pourcents sont des génotypages mâles et femelles, et sinon il y a 20% des femelles qui ne sont pas génotypées. Alors le génotypage d'une femelle se passe comme ça. Donc Charline, qui est donc l'inséminatrice et également la référente du secteur pour gérer tous les génotypages. Donc c'est un prélèvement de cartilage sur l'oreille. Ce petit bout de cartilage donc est stocké dans une capsule avec un conservateur. Ce qui va être analysé, c'est le poil, donc l'ADN du poil, qui va être donc envoyé à notre laboratoire à Maison Alfort. Et ensuite, l'INRA se chargera de l'indexation de cette petite femelle. Ce petit mâle a été repéré par le schéma pour le niveau génétique de sa mère et particulièrement pour le niveau génétique et le fait que son père soit sans cornes, donc qui correspond un peu à nos attentes. L'échantillon est stocké dans ce sachet. Ce sachet est donc identifié par un numéro d'échantillon avec le numéro de boucle de la petite femelle pour avoir le bon échantillon sur la bonne petite génisse. Et c'est cet échantillon, ce sachet, que l'inséminatrice enverra au laboratoire d'analyse.
Voici le document en fait que les éleveurs reçoivent une fois que les analyses sont faites. Donc cette fiche va identifier 36 caractères. 36 caractères dont la moitié sont des caractères liés à la production et au fonctionnel, et l'autre moitié et ce sont des caractères liés à la morphologie de l'animal. Donc on va retrouver le pédigré de l'animal, l'identification. On va retrouver toutes les mutations génétiques, c'est-à-dire tout ce qui est le sang-corne, le coloris et les anomalies génétiques. Tout ça est analysé par cet échantillon. En France, on a une très grande diversité des systèmes d'élevage puisqu'on peut avoir des systèmes très intensifs, des systèmes plutôt mixtes qui vont allier le pâturage et également un système productiviste où on va rechercher des vaches très productives et des systèmes plus pâturants, un petit peu plus extensifs avec une bonne valorisation de l'herbe. Et aujourd'hui, notre enjeu, c'est de pouvoir répondre à tous les besoins de ces différents éleveurs et de ces différents systèmes d'exploitation. Et on a une gamme aujourd'hui de taureaux qui nous permet de répondre spécifiquement aux besoins de chaque système. Puisqu'on a segmenté notre schéma de sélection pour pouvoir justement répondre au mieux et de manière la plus adaptée possible à chaque système. Como lo mencionamos al inicio del programa, en la granja del señor Etienne se produce leche orgánica. Es un proceso que se ha venido implementando y que hasta el momento ha arrojado muy buenos resultados. Para esto, construyeron en el año 2018 una secadora de heno con capacidad para almacenar 650 toneladas. Este edificio les ayuda a secar y conservar el heno cosechado 5 veces al año que se les suministra a las vacas y a las terneras. Alors aujourd'hui, on a une surface cultivée de 150 hectares. Donc exclusivement cultivée c'est de l'herbe tout simplement. Donc 130 hectares d'herbe et 20 hectares de maïs grain. Et donc on est en conversion bio depuis 2 ans. Et donc l'herbe est récoltée sous forme de foin grâce à un séchoir à foin. Et ensuite toute l'herbe qui reste est pâturée par les vaches et par les génisses. Et donc le maïs grain sert à compléter les vaches en énergie. D'accord, donc le cahier des charges bio nous impose que les vaches sortent au pâturage au moins 9 mois dans l'année. Donc c'est le cas chez nous, elles sortent à peu près vers le 15 février au pâturage. Et elles peuvent aller dehors jusque fin novembre, donc ça correspond au cahier des charges. Et en plus de ça, on a l'irrigation sur la ferme. Donc on a de l'herbe à partir du mois de février jusqu'à novembre sans interruption. Et ensuite, s'il y a plus ou moins d'herbe dans le champ, on rajoute du foin à l'auge, donc du foin séché en grange. Et donc ça fait, c'est les deux fourrages seulement qu'elle consomme. Et ensuite, en concentré, c'est du maïs grain, simplement pour compléter la ration en énergie. Parce qu'avec l'herbe pâturée et le foin, on est excédentaire en protéines, donc on a besoin d'énergie en plus, en concentré. Et donc tout le maïs grain est produit chez nous. Donc l'objectif en fait de la ration, c'est d'être en autonomie maximale. Acheter le moins possible d'aliments à l'extérieur. Et c'est presque le cas aujourd'hui. On achète quand même un petit peu de maïs, mais c'est presque le cas. Voilà, donc au niveau du pâturage tournant dynamique, les vaches ont une nouvelle parcelle tous les jours. Donc elles sont dedans seulement 24 heures. Et ensuite elles passent à la parcelle d'à côté. Donc ce sont des parcelles de 1 hectare. Pour 110 vaches et donc ça leur suffit pour tenir une journée dedans et ensuite elles changent de parcelle. Donc là, les prairies ont été semées il n'y a pas longtemps, donc on a mis du régras anglais beaucoup et beaucoup de trèfle blanc aussi, avec un petit peu de dactyle et de luzerne qui sont des plantes qui résistent mieux l'été à la chaleur. Et avec ce mélange là, on arrive à avoir de l'herbe toute l'année finalement. Et une herbe équilibrée en énergie et en protéines.
Donc au vu de ces systèmes pâturants que l'on a en France, aujourd'hui on est capable de répondre à la demande du marché français, mais on est aussi capable de répondre à la demande des marchés internationaux et notamment des systèmes pâturants comme par exemple en Amérique latine. Aujourd'hui, nos reproducteurs permettent d'assurer une très bonne descendance dans les élevages pâturants, que ce soit en France ou dans les pays d'Amérique latine par exemple. On a des reproducteurs qui permettent de conserver des animaux avec des gabarits maîtrisés et qui vont pleinement, ces animaux-là vont pleinement s'exprimer et vont pleinement se valoriser dans les systèmes d'Amérique du Sud. Donc voilà le foin que nous obtenons avec notre séchoir du coup. Et c'est un foin qui est composé de luzerne, de trèfle et d'autres graminées comme du régras anglais, de la fétuque des prés, du dactyle, de la fléole aussi. Ça nous permet d'avoir un foin finalement très équilibré, riche en protéines, riche en énergie, avec beaucoup de vitamines et d'oligo-éléments dedans. Donc ça nous permet d'avoir une ration très complète finalement et un fourrage très riche pour nos vaches. El creciente interés de los consumidores por la agricultura ecológica y la vinculación del producto al territorio, así como el bienestar de los animales, es una tendencia creciente en los diversos mercados. Para la leche, esto también se aplica a la importancia de la alimentación del ganado y en particular al uso de forraje. Et la dernière chose que la Holstein Evolution et que Evolution cherche à maintenir, c'est la variabilité génétique de ses reproducteurs et de la population femelle également en France. Aujourd'hui, la France compte parmi les pays qui contrôlent et qui maîtrisent le plus la consanguinité dans la population. Nous, aujourd'hui, on tient à cœur d'avoir la plus grande variabilité possible au niveau des pédigrés de nos animaux, ce qui permet aux éleveurs utilisateurs d'avoir une meilleure facilité d'accouplement de par la diversité du montage du pédigré et qui permet également de maintenir une consanguinité qui sera maîtrisée et donc d'éviter la dépression de consanguinité dans la population Holstein. L'objectif du passage en bio est de pérenniser en fait l'atelier laitier en ayant un meilleur prix du lait et puis en étant plus serein tous les jours, en maîtrisant notre coût de production et en maîtrisant notre prix du lait finalement. Donc le but c'est de pérenniser l'élevage sur la ferme. Bah, je pense que la Holstein, elle a un avantage, c'est d'avoir beaucoup de lignées différentes. Et du coup on peut sélectionner de différentes façons la Holstein. Donc chaque éleveur peut en fait trouver son modèle de vache finalement. Et pour nous, par exemple, ça va être la robustesse, l'état corporel, la largeur de poitrine, des vaches plus larges et plus petites, globalement, avec de bons pieds et membres et des bonnes mamelles. Ouais, on regarde aussi beaucoup la résistance aux lésions infectieuses et non infectieuses. Et grâce à l'évolution, on a un index qui est fiable. Pour la race Holstein chez Evolution est prépondérante et elle est prépondérante également dans le monde. Je pense qu'elle conservera une place forte dans les élevages dans le monde entier parce que c'est une race qui est, comme je l'ai dit précédemment, qui s'adapte à tous les systèmes et qui peut répondre vraiment à tous les besoins des différents éleveurs du monde. Puisqu'il suffit de choisir l'orientation qu'on veut lui donner, c'est une race qui pour moi est une race d'avenir puisqu'elle permet de s'adapter dans tout contexte et donc la race Holstein est une race qui restera prépondérante dans le monde. La race Holstein se ha adaptado muy bien a este tipo de producciones lecheras y cooperativas como Evolution International, con el asesoramiento prestado por sus técnicos, contribuye al fortalecimiento de este tipo de producciones que sirven como modelo para implementar en otros países de Europa y el resto del mundo.